Yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle saison 3, épisode 2. Donc nous sommes partis sur Unity Stad West. Donc on voit un peu ce qu'on peut avoir comme nouveau véhicule, nouvelle transformation de véhicule. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc on va faire continuer, on va voir ce qui nous propose pour les lives soumis. Alors saison ok, donc voyons voir, allez au QG pour le live. Toc, ça ira plus vite en passant par là. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Toc, alors ça met un peu de temps à charger. Un peu beaucoup de temps à charger. Voilà. Merci. Alors. Pourquoi ? Ah, on s'est tapé directement au truc. Ok. Comment on fait déjà pour descendre ? On va descendre par là ? Si. Donc. Voyons voir ce qu'on a à récupérer de notre on va déjà récupérer ce qu'on a dans notre boîte aux lettres. Il y a des trucs en or, ça c'est cool. Et nouvelle offre, bon, ça c'est un peu cher quand même les nouvelles offres des fois. Donc voyons voir ce qu'on a là. Toc. Ok, ah, j'ai pas eu la voiture. Ok, donc on a pas mal de petits nouveaux trucs. Ouais, ça a l'air d'être du tout terrain. Nous avons quelques voitures de course là. Ça va, ça a l'air sympa. Ça a l'air super sympa. Voyons voir ce qu'ils nous proposent là. Alors on fera les voitures juste après. Hein. On fera juste les voitures après. Parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Donc on va faire déjà les trois premières catégories. Donc la fuite, le slalom et la fuite. Je pense que c'est soit en bateau ou soit en avion. Je pense que ça doit être en bateau, ça. La fuite, ça, c'est en tout terrain. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, c'est parti. On perd pas de temps. Donc, nouvelle saison. Ça, c'est cool. Par contre. Un autre véhicule. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah, une présentation. Présentation du nouveau truc. C'est surtout du tout terrain quoi. On passe de. Ah, c'est bien ça. Las Vegas, ouais. Los Angeles. Ouais, c'est surtout des nouvelles des nouvelles transformations quoi. Et un peu de boost un peu plus rapide, ça va être cool. Ouais, par contre la dégaine, non merci. Encore, tu m'as représenté avec un gars un peu mieux. J'aurais pas dit. Ok. Alors moi le truc c'est que je prends jamais. Le pass. Donc c'est un peu dommage. Par contre, attendez, j'ai des trucs à récupérer là.
Voilà. Alors j'essaye un nouveau truc parce que je sais que vous avez pas de son en temps normal. Et ça me gave un peu quand je mets une vidéo et puis que vous avez pas de son. Donc j'essaye un nouveau truc. J'espère que le logiciel va bien marcher. Qui n'a pas de suspension en or? Toi. Toc. Par contre, j'ai reçu des trucs. Le Volkswagen, fer à roche. Alors attendez. Parce que ça doit être de l'or. Ouais, c'est de l'or en tout et en points. Toc, toc. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous à se connecter à cette heure-là, les gars, là? Tout le monde se connecte. Hop, hop. Quoi, performance? Ben, ça y est, j'ai terminé. Ah mais merde, je voyais pas les roues. Pas le compas en face des yeux, moi. Bon. Oui, je voulais changer de véhicule pour le tout-terrain, ce serait pas mal. Hein? Tu vas faire les machins, mais tu changes pas de voiture. Tu changes pas de voiture. Alors. Terrain. Alors, tiens, on va prendre celle-là. Va prendre celle-là. Hop, hop, hop. Ah, bah oui, bah là je remontais donc je pouvais pas me redresser donc bon. Donc c'était soit ça ou soit je continuais. Ok. Bon, bah première fuite en tout terrain, pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais bon, je me suis cassé la binette. Alors attendez 5 minutes. Parce que je fais double truc. C'est mieux. Voilà. Toc. Allez, on continue. Oh, des slaloms en mode aquatique. Oh, bah oui.
Ah, puis là, le bateau dans une machine comme ça, c'est un peu chaud. Bon, j'ai dépassé le machin, c'est tranquille, au moins. Mais là, c'est un peu nul. Le record, là. J'aurais pu faire mieux, quand même. J'aurais pu faire mieux. Allez, fuite. Alors, je pense que c'est en avion, ça. Ah non, c'est en bateau. C'est en bateau. Alors là, fuite en bateau. Tu peux pas vraiment suivre autre chose que le cours d'eau. Aïe, il y avait un mur. Ah oh bah non, pas aussi loin. Ah oh bah non, ça c'est pas, par contre là c'est pas normal. J'ai tapé le bord aussi, plus loin que ça et bon, pas grave. Je suis quand même allé beaucoup plus loin. Ouais. Ah, là par contre je suis obligé de regarder le record. C'est pas possible d'avoir un record aussi bien que ça. Je sais pas, il y en a, je sais pas, je pense qu'ils doivent tricher. Alors je dis pas qu'ils trichent, hein, mais c'est chelou quand même quand on voit ça. Ça fait un peu peur. Bon, on va faire du Monster Truck. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait ensemble. On n'en a pas fait ensemble, c'est vrai que ça fait un moment. Bon, moi bah j'en ai qu'un, donc là je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Regarde la route, Tintin. Allez, Drake! Cheval! Oh, c'est une course. Ok, pour doubler. Pour doubler, il faut passer sur le côté! Oh là là, mais non! Alors, pour doubler ça, c'est soit t'arrives à doubler en mode gros dégueulasse. Et une fois que t'es devant, tu mets la dose! Attention parce qu'il y a des panneaux qui sont aussi durs que. Si tu prends un pneu dans un panneau et puis qu'il est dur, c'est comme les arbres, ça. Une course avec un Monster Truck, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas souvent. Parce que c'est vrai que les Monster Truck, c'est souvent des. J'ai eu peur que l'arbre soit aussi dur que. J'aurais fait un arrêt sur place. Bon, ils sont loin? Oh bah oui, ils sont loin.
Je m'inquiétais tout à l'heure d'être derrière. Sont pas faits pour faire des drifts, hein, Monster Truck. S'il vous plaît, évitez de nous faire ça. Ouh, la reprise du truck, là. La reprise du monstre. Attention, les bisons, on passe. Putain, mais il nous emmène où, là? Gagné. Ah oui, j'ai gagné. Ah oui. Alors par contre, on va faire un truc avant. On va faire un truc avant. Voilà, c'est bon. Donc, rally cross, rally raid. Donc, on va faire du rally raid avec une mini. Non, c'est une. C'est une petite. Coccinelle. C'est une coccinelle tout-terrain. Coccinelle tout-terrain. Je l'ai? Ou il la prête? Est-ce que ça me dit rien que je l'ai? Je pense pas que je l'ai, je pense qu'il la prête pour le. Oh, ce bruit! Par contre, je les aime pas les coccinelles comme ça. Ça fait sale. Mode tout terrain. Oh bah oui. Fais-nous passer. La pomme pas là, la pomme pas là, la 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 la. Ouah. Par contre, en tout cas, elle tient bien le chemin. Elle tient bien la route de terre, ça c'est cool. Ouais, 110, 115, 115, ouais, 116, 115, maximum. Après, avec un peu de nitro, on peut la faire monter à 100, 140, 145. Maximum 145, je pense. Pas plus haut. Par contre, il y a un russe. Il y a un ruisseau juste sur la gauche. Ça me fait un peu peur de là où je suis passé.
Ah, c'est pour gagner la voiture, je crois. J'ai pas bien compris, mais... Ah non! Le passage à la con. Oh, elle pète la machine. Oh oh! Ouais, cours d'eau à gauche, il y a le cours d'eau à droite. Si tu veux qu'on aille tout droit, ça peut un peu être compliqué, hein. Voilà. Classe, elle se manipule très bien même. Je trouve qu'elle tient bien la route. Elle a une bonne accélération. Très bien. Après, je sais pas si elle est en légendaire ou quoi, dès le début comme ça. Mais franchement, très bonne tenue de route. Et ça, c'est classe. Très très classe. Donc oui, il prête la voiture en fait. C'est pour ça qu'il y a l'image. J'ai pas... Je sais pas, il avait pas regardé. J'avais pas regardé. Et qui m'emmerde là? Ouais. Les bonbons de la journée. Alors, après, nous allons à le rallycross. Allez, c'est parti. Clairement, ouais, la tenue de route de la voiture, super. Pour, un premier, pour la première saison du machin, pas mal, plutôt pas mal. Ah, à freeze? Non, pas freeze. Allez, hop, c'est parti. On prend la meilleure, hein, de toute façon, on peut pas faire autrement là. Ah, c'est pas moi qui le fais là. Excité le garçon. Excité! Wouh! Ça sent les virages, ça sent les tournants à droite et à gauche, ça sent mauvais. Ouais, putain, le bord là. Ding ding. Ça a l'air long, ça a l'air très long. Ça va, il n'y a pas que des tournants parce que là, punaise, j'étais en train de me dire s'il y a que des tournants. Oh!
Ah oui, c'est vrai qu'elle a un double nitro, celle-là. Celle-là, pour l'user en nitro, faut y aller. J'ai pourtant du mal à la contrôler cette bagnole, mais là c'est aujourd'hui ça va. Franchement, bah oui. J'ai regardé le temps, j'ai pas regardé la. Wow. Pardon pour la caméra, comment elle s'est mise. Cette bagnole, elle est bien en ligne droite. En ligne droite ou quand vous avez des sauts. Une bonne ligne droite qui. Oh putain. Ils ont osé encore nous remettre des trucs comme ça, mais comment ça se fait? Pourquoi ils font pas des trucs propres, quoi? C'est pas possible. Ils sont obligés de nous mettre des U en plein milieu de la route. Aïe, aïe. Ah bah ça va, j'ai fait un bon record là. Oh, que de la med. Super. On a squeezé ça. Bon bah voilà, on a terminé. Ouais bah pas mal, pas mal, pas mal. Donc j'ai les trois trucs, super. J'ai les trois trucs. Semaine prochaine, il y aura récompense. Donc il y aura, bon, comme d'habitude, des follow. Mini Cooper, donc des pièces de Mini Cooper. On a quoi là? Fumée marron. Oh super. Ouais, super. Pas mal, pas mal, pas mal. Pour le mois de septembre, ça va, c'est pas mal. Donc voyons voir ce qu'on a gagné. Alors. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà personnalisé à fond. Alors attendez, parce que je sais que celle-là, elle n'est pas construite à fond. Le vert, c'est même pas la peine d'y compter. Alors par contre, attendez, parce que... Ouais, j'ai des pièces qui devraient... Je vais les mettre là. La mini. J'ai une pièce légendaire sur la mini. Ah ouais. Depuis quand? Pouvez-vous me dire depuis quand que j'ai des pièces de... Bon, on va la personnaliser à fond. Ensemble. Il y a des pneus qui servent. Il y a des pneus, la plupart du temps, les pneus, j'essaie de rester dans le. Un peu comme celle-là. Ça ou ça. Je vais mettre celui-là, 5. Un peu grise. Voilà.
Là, par contre, on va rester sur une couleur rouge. Là, on va mettre le haillon. Et là, voilà. Ça, c'est fait. Là, on a eu des trucs. Oula. Un peu beaucoup à mon goût là. Du. Ouah. Du légendaire déjà? Du légendaire avec le Monster Truck, ça c'est cool. C'est vrai qu'il a tenu. Ah, mais oui, c'est vrai que c'était en passe légendaire, donc oui, c'est vrai que. C'est vrai que ça change. C'est vrai que ça change. On va le custom ensemble aussi. Puis on va se laisser là après. Part s'il n'y a pas de custom, je sais que. Ah, si, il y a du custom pour le Monster Truck. Donc on va mettre ça. On va mettre ça. Voilà, je l'avais déjà mis. Je l'avais pas mis. Ça, je l'ai mis. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et l'intérieur, bah, j'y touche pas trop parce que là, c'est un intérieur uni. Ouais, bof. Pas grand chose qui a changé quoi, c'est un Monster Truck quoi. Je pensais qu'il y aurait des 2-3 roues où on pourrait modifier les roues, les trucs comme ça, mais même pas. La Dodge Charger. Alors celle-là par contre on pourrait la custom ensemble. Ce qu'on ferait un de ces quatre, à la place de se mettre sur des courses ou des trucs comme ça. Ah c'est que des trucs de custom de. Oh c'est que les pneus. Oh, c'est dommage. C'est dommage que ça soit que les pneus. Pourquoi on peut pas custom le reste? Bah, je sais que bon, c'est vrai que Delimation Derby, bon, c'est la voiture qui prend, mais je sais pas, ils auraient pu faire un truc un peu plus. Un peu mieux, quoi. Pas mal de bagnoles maintenant, c'est vrai que. Je m'amuse beaucoup à les personnaliser en ce moment. Est-ce qu'on peut custom une Formule 1? Je pense pas. Hein. Une Formule 1, à part les pneus, ouais, les jantes, qui sont horriblement dégueulasses. Oh, on va mettre celle-là. Payer pour la couleur des jantes. Juste pour des jantes. Ça aussi, c'est un peu. Bon, après, c'est vrai que, par exemple, les voitures de course comme ça, les Formule 1 ou les trucs comme ça, c'est vrai que ça doit pas être trop modifiable. Par exemple, pareil pour les bateaux, je pense que les bateaux sont pas modifiables non plus. Ouais, pas les plus modifiables le bateau. Le maudit bateau, voilà. Par contre, ouais, pareil pour lui aussi, je pense pas que ça soit possible. Ouais. Tout ce qui est bateau, même les. Même les aéroglisseurs, donc les speed drift, je pense pas que ça soit custom. À part pour la couleur, mais ouais, les pièces machin, on peut pas. C'est un peu dommage parce qu'il y a certaines choses qui pourraient être intéressantes, je pense. Celle-là, on pourrait presque la custom en mode James Bond, mais celle-là, je l'ai déjà custom. En fait, à part celle-là, je crois. Celle-là, je l'ai pas custom. Celle-là, elle est pas custom. On va regarder ça vite fait. Et c'est aussi des pneus. Des pneus! C'est aussi des pneus! Mais ouais, c'est un peu dommage, quoi, qu'il y ait que les premières catégories. Même les motos, je crois bien que c'est que les pneus. Ah, bah là, celle-là, elle a rien du tout. À part pour la grosse moto, par exemple, pour l'Harley que j'ai. Pour l'Harley, je sais que je.
c'est pas les mêmes motos. J'étais en train de me dire comment ça se fait que j'ai les mêmes motos, mais non, c'est pas les mêmes. Par exemple pour bah, par exemple pour les éditions Drag Race, par l'édition, ouais, pour les derbies par exemple, on peut les transformer complet. Par exemple, pareil pour les drifts, celle-là, voilà, c'est une spéciale drift, et celle-là aussi. Clairement, je pense qu'on peut les modifier à fond. Bon, le Volkswagen, je le touche pas. C'est hors des questions. Même s'il y a des personnalisations ou quoi que ce soit, c'est... Ouais, non. C'est hors de question. Volkswagen, ouais, non. Laissez tomber. Volkswagen, c'est Volkswagen, quoi. C'est pas... Ça serait un truc. Encore, ça serait des personnalisations un peu plus classe ou quoi que ce soit. Déjà, quand on regarde déjà les dernières personnalisations, ça fait peur. Mais là, non, clairement, ça fait un peu. Par exemple, la moto là, l'Harley Davidson, celle-là, je l'ai personnalisée à fond, quoi. Celle-là, je l'aime plutôt pas mal, en fait, même. La personnalisation qu'elle a eue. La personnalisation qu'elle a eue, elle est vraiment, vraiment très stylée. Après, choisir. Oh, il y a de la fumée, clairement. C'est n'importe quoi. Ah, mais oui, c'est comme, ouais, c'est comme la Deluxo. C'est comme la Deluxo, le démarrage, les trucs comme ça. La Deluxo, par exemple, quand on la regarde. Attendez, elle est où? Paumée en route. Là, par exemple, la Deluxo, voilà, elle est transformée. Elle a un custom bien à elle, quoi. Alors, elle a pas de custom, voilà, elle a pas de pièce, machin. Mais elle a, par exemple, les pneus. Les pneus, elle a la fumée. Alors, bon, pas le jaune. Et voilà, elle a. Oh! Teintre vite. Oh, c'est pas mal ça. On est resté dans le klaxon. C'est pas comme dans GTA, on a des klaxons un peu farfelus, on va dire. Mais non, ça va, c'est plutôt classe, c'est plutôt cool. Bon, bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour première saison, quelques transformations de véhicules. Je pense que je ferai plus ça la prochaine fois. J'essaierai de trouver des voitures un peu what the fuck et les finir, en finir en vidéo après le live soumis. Une transformation de véhicule un peu en mode what the fuck, et puis voir si, si elles sont pas mal ou quoi. Donnez-moi une note sur ma voiture qui est juste derrière la transformation. Alors, moi je trouve que le pot sur le devant là, ça fait un peu gros quand même, mais voilà. Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine, les gens. C'était Drag Survie. Peace!